Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Tiens, j'ai pas rangé ça. À l'image de l'automne, puisqu'on revient sur les créations de l'automne, parce que comme je vous l'ai dit, je commencerai les créations de Noël mi-novembre et mi-novembre jusqu'au 20 décembre, quoi, à peu près, je sais pas. Donc, pour l'instant, on continue sur les créas. De l'automne ou pas, je crois que j'ai commencé aussi un album, bah mon fameux album de d'automne que je n'ai pas fait, j'ai quand même envie de le faire, donc voilà. Bon, en attendant que je le trame un peu dans ma tête, on va faire cette petite créa d'automne, à savoir un petit pot comme ceci de confiture. Ça me trahit un peu, mais bon, c'était de la confiture bonne maman. Qui, entre parenthèses, est très bien noté sur, vous savez, que l'application Yuka, pour voir si c'est des produits médiocres, pas bons, mauvais, excellents, bon. Eh bien, la confiture Bonne Maman est bien notée, au passage. Donc, mais là, en ce moment, je mange plus de confiture, ça me dit plus rien. C'est vraiment par période. Bref, et puis en plus, il m'en faut pas, et franchement, je ferais bien de faire attention parce que. Là, c'est pas bien du tout ce que je fais. Bref. Alors, on prend ce petit pot. Là, je l'avais. Il me restait de la peinture argent. Je voulais voir ce que ça faisait. Enfin, bon, on s'en fout. Ça sera éventuellement. J'ai plein de paillettes sur la main. Je sais pas d'où ça sort. Donc, ce que je vais faire. Là, j'avais fait la ficelle. Vous pouvez avoir de la ficelle. Tout ce que vous avez un peu sur l'automne. J'ai pris un peu ce que j'avais. Là, j'ai retrouvé une toute petite taille potiron. Bah, voilà. J'ai pris mes feuilles, des plumes, des petits napperons qu'on m'a gentiment envoyés. Alors, soit ça peut faire un petit pot bah, confiture, marmelade, je sais pas ce dont vous servez, quoi. J'ai préparé mon pistolet à colle. Alors, ça, c'est le nouveau que j'ai trouvé chez. J'avais trouvé les tubes de colle. Ils sont pas mal, les tubes. Ils sont pas pires. Ils sont comme les autres. Voilà, c'est la même chose que les autres. La seule chose qui ne tient pas, parce que je rebondis sur un commentaire de Nathalie Normandie, qui m'avait dit, ouais, ça tient pas, bon, enfin bref. Mais la colle comme ça, elle tient pas spécialement sur le fer. Voilà, je crois des surfaces trop froides, et au bout d'un moment, la colle réagit, et votre sujet s'enlève tout de suite, quoi, ça convient pas. Bon, après, pour tout ce qui est papier, choses comme ça, là, c'est ça avec du fer, j'en sais rien. C'est pas dit. C'est pas dit que ça tienne. On verra. Bon. Oui, il est chaud. En tout cas, il sent le chaud, celui-là. Ils sont jolis. Il y avait en... Alors, c'est 1,99. Bon. De toute façon, le mien, où il est, l'autre, là. Je l'ai posé, je sais pas où. Bah, il était. Il marche, hein. Moi, je le garde, mais bon, voilà, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est mettre ce petit napperon. Alors, je crois que, franchement, en matière de napperon, je regarde vos vidéos, vous êtes beaucoup à savoir crocheter. À crocheter dur, hein. Et donc, vous n'aurez pas de mal à faire un petit napperon comme ça. Moi, j'ai des super abonnés qui m'en envoient. Donc, voilà. Je suis une vernie. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Grâce à Ninette Angeli qui a fait de la pub pour les petites chaînes. Et qui sont tout aussi méritantes d'ailleurs, hein, voilà, et peut-être voire plus des fois, et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Et bah, elle a parlé de moi, et je lui fais de gros bisous. Je lui ai dit en message, mais je la remercie beaucoup. Voilà, bah ça m'a fait gagner 3 abonnés, quoi. Voilà. Donc encore merci, et puis bienvenue à ces nouvelles abonnées. Voilà. Alors je mets un peu de colasse. Bon, il va falloir qu'elle s'habitue, les pauvres, hein. Vous, vous êtes habitués, mais les autres, celles qui arrivent, c'est pas dit qu'elles vont se demander où elles sont tombées, hein. Alors, la colasse, c'est tout simplement la colle. Hein. C'est pas compliqué. Alors, vous voyez, à mon avis, là, déjà, la colle, elle a séché. Parce que c'est du fer. Alors, on badigeonne savoureusement. Non, c'est pas savoureusement le mot, mais. On en met. Sur son petit couvercle. J'improvise encore une fois. Hein. J'ai déjà fait des petits pots comme ça, mais pas avec.
pas avec du napperon, quoi, pas avec du crochet, non, ça j'ai jamais fait. Alors ça fait quand même le petit pot de mère grand, hein. Le petit pot de mère grand. Voilà, j'ai déjà ça. Ce qui est déjà une bonne base. Je pense que je vais mettre un peu de colle sur le rebord, de manière à ce que mon petit napperon redescende. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, vous comprenez ce que je veux dire. J'aurais pu aussi me servir de cette colle, la colle Tex, là, pour le tissu. Ça aurait bien marché, parce que l'avantage de cette colle Tex, c'est qu'elle... D'accord. Elle durcit les tissus. Et c'est pas mal. Ça les rigidifie, quoi. Voilà. Donc, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, je fais comme ça. Comme ça, je suis sûre que mon petit napperon... Bonnie ? Une seconde. Ça marche ? Ouais, excusez-moi. J'ai un problème avec mon chien qui se bouffe les pattes au point de s'être arraché les coussins. Les coussinets, là. Donc, et qui boite dans la rue. Moi, je vous dis pas, hein, vous voulez même pas sortir. Ah oui, ça fait mal. En plus, il pleut, donc... ça fait mal, quoi. Donc, je suis obligée de la surveiller, de lui dire de rester là. Parce que dès qu'on a le dos tourné, hop, elle recommence. Donc, j'ai une colorette et cette nuit, malheureusement, je vais être obligée de lui mettre parce que... Elle fait ça surtout la nuit parce qu'elle est tranquille. Mais j'ai touché un peu son coussinet là. Ah, c'était comme tout granuleux là. Je sais pas, c'était bizarre. Donc c'est pénible. Hein. Ça peut ça des chiens un problème, moi. Bon, elle est pas malade, elle a jamais de trucs, hein, mais elle a plein de manies comme ça, là. Qu'est-ce que c'est énervant. Bon, voilà. Des petites feuilles. En veux-tu? En voilà. On va... Pas d'affolement, je sais même pas si je vais les mettre. Hein. Attends, parce que j'avais des vertes aussi. J'avais des vertes qui étaient... Chez l'ami Action, là. Je sais pas celle-là. Qu'est-ce que ça va donner? Bougez pas. Bougez pas. Je sais pas. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Puis d'un autre côté, voilà, je vais pas trop en mettre non plus. Alors, tiens, elle était à l'envers, ça. Pour l'instant, je fais tout avec le pistolet à colle. Hein. Voilà. Alors, j'avais ces petites choses-là, mais ça me paraît pas très gros. Je vais aller voir si j'ai des trucs mieux. Alors, j'ai été trouver ça, je l'ai mal arraché du bouquet, là. Donc, on va le coller. J'ai vu ça aussi, que j'avais là-bas dans ma petite déco d'automne, mais bon. Moi, je crois que ça peut faire... ça peut faire aujourd'hui. Ah bah, par contre, ça bouffe de la colle, hein. Voyons. Il craque aussi, lui. Voilà. Bon. Le problème est que ça doit rester pratique. Parce que c'est quand même fait pour ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, bah voilà, faut que ce soit pratique, quoi. On va mettre ça. Les petits. C'est des glands, ça. Mettre comme ça. Ça, du coup, ça va pas trop. Ah, je suis un peu embêtée. J'aurais voulu mes tout petites pommes de pin. Mais ça, c'est dans ma caisse de Noël. Donc, c'est une galère. Ah oui, je voulais mettre ça, un petit bouton. Ah, parce que ça fait quand même nature. Nature, nature. Parce que comme fleur... Je sais pas, pire, ils sont trop clairs ceux-là. On va à l'ancrer un peu. Ne quittez pas.
Oh, il a fait moche toute la journée. Il a vraiment fait très très moche. J'aurais préféré que notre pont soit écru. Alors, à vrai dire, hein. En toute franchise. Hein. J'aurais préféré. Alors, on regarde ce qu'il y a dans les petites écorces. Les petites étoiles. Sapin. Petit cœur. Petite étoile comme ça. Ça peut être sympa. Bon, on va le faire. Déjà faire, hop, le petit bouton. La étoile. C'est bien les biscornus, mais ça tombe bien. Ça m'arrange. Les petites noisettes. Enfin, c'est pas des noisettes, c'est des glands, je sais pas quoi. Voilà. Certainement un peu de plumasse. Alors attends, peut-être faire couper de la feuillasse. Hop, pour la mettre, la coincer ici. Elle s'est encore cachée, elle, pour pas que je la voie. Comme ça. Là, j'ai de la plume. Où c'est qu'il est, le petit sachet de plume? Il y avait un petit, là. Il y avait un petit sachet, ça c'est dans les kits. J'avais mis ça. J'adore parce que je les avais cherchés pour je sais plus quel créa. Et puis là je les retrouve 2 mois après quoi. Mais comme je vous dis, il faut que ça reste pratique. Hop. Faut pas que ça soit gênant quand on ouvre quoi. Et, faut... Fasse comme ça, voilà. Faut que ça soit, puis que ça tienne bien surtout. J'espère que je suis dans le champ. La fille qui, ça fait des années qu'elle pose la même question. Voilà. Peut-être celle-ci qui tournicote, on peut la mettre éventuellement ici. Hop. Comme ça, quoi. Hein. Vraiment que ça fasse un petit truc de l'automne. Ensuite, je vais... J'enlève tout ce qui est filasse. Je vais mettre ma petite ficelle autour du pot. Qui s'appelle tourner autour du pot. Alors ça, on s'en fout, hein, on peut faire... petit nœud, ça pas de hein, pas la tête avec ça. Il y avait de la colle sur la ficelle. Voilà. Voir. Voilà. Là, on peut y mettre. Ma petite. Pas, je ne veux pas de la mousse qui est en dessous là, ça me gêne. Hop. Hop, on va la mettre comme ceci, style, elle est accrochée. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme ça? On reste dans les tons un peu orangés, quoi. Voilà. Et là, j'avais ce petit nœud marron qui est très mignon. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah. Il s'est coincé. Attendez. Il s'était bien coincé. Alors, attends, le petit nœud. Le petit nœud. On va le mettre parce que votre petit pot, il doit être, on doit pouvoir le regarder de partout. Donc il faut décorer de la même manière partout. Pas que d'un côté, quoi. Oh, bon là,
Vous me direz, j'ai mis un peu trop de colle. Ok. Je suis d'accord avec vous. Mais elle est cachée, on n'a pas pu. Voilà. D'accord. Et voilà le petit pot de grand-mère. Ou de mère grand. Voilà. C'est un petit. Il est pas petit, hein. Il est quand même. Ah, c'est les pots de confiture bonne maman, mais il est gros. Parce que là, j'en ai un plus petit. Et je vois pas ce que je pourrais mettre depuis. J'aurais voulu quand même mettre plutôt une petite étiquette en bois. Mais alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà, c'est toujours la même histoire. Il faut les trouver. Bah, c'en est tout, les amis, pour mon petit pot de confiture. Ou petit pot de crème de marron. Ou ce que vous voulez. Voilà. Ou même mettre des petites gourmandises à l'intérieur pour offrir. Voilà les amis, c'en est tout de ma petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. De partager, de vous abonner si c'est pas fait. Voilà, ce sera sympa. Je ne mords pas, je vous promets que je suis gentille. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.